Yo tout le monde, c'est Loser du 31 et pour ce nouveau podcast, on va parler des toilettes. C'est nul, c'est de la merde. Les chats, les chats. Combo. J'ai toujours pris énormément de temps aux toilettes et j'ai toujours trouvé des trucs à faire pour m'occuper. Entre écouter de la musique, park, j'écrivais mes premiers rap, j'ai vidé mes premiers packs, j'ai claqué mes premiers banques, j'ai mangé mes premières claques. Quoi? Pourquoi ça résonne? Lire des mangas. Ou faire ses devoirs. Oh putain. Félix, on est encore pour longtemps? Ok. Donc en fait, je pourrais limite passer ma vie à l'intérieur. Manger. Se brosser les dents. Encore prendre une douche. Non, la caméra. Les toilettes, c'est vraiment l'endroit où tout le monde peut te faire chier. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Entre le traditionnel, y'a plus de papier. Non, s'il vous plaît. Y'a quelqu'un? Y'a plus de papier? De ma gueule en plus. La lumière à l'extérieur des toilettes. Quelqu'un pour allumer la lumière s'il vous plaît? À quoi ça sert? On peut mettre l'interrupteur à l'intérieur, alors pourquoi on le met à l'extérieur? Mais le pire du pire, c'est le papier toilette à l'extérieur. What? Alors là non, hein. Avant c'était bon, mais là j'en peux plus. Hein. Non, j'en peux plus. Bon, on connaît tous la technique de mettre du papier au fond de la cuvette pour faire un minimum de bruit. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de papier pour s'essuyer. Non. Là, s'il vous plaît. Ou sinon, vous bouchez carrément les toilettes avec tout le papier. Oh non. Et je vous parle même pas de la crotte rebelle, hein. Cool, elle remonte, elle coule. Elle est insubmersible, elle coule, elle tourne. Elle est extraordinaire en même temps. C'est la mienne. Après, il y a les toilettes pour filles. Avec un miroir, une poubelle démoniaque que je déconseille à tous les hommes d'ouvrir s'ils tiennent à leur vie. Et une gigantesque queue. Car oui, aux toilettes, les filles ont une plus grosse queue que les hommes. Alors comment faire un podcast sur les toilettes sans parler des chiottes publiques? Dégueulasse ou on rentre comme on peut. Ou on pisse sur la pointe des pieds tellement que le sol est crade avant de se laver les mains. Pour enfin le sécher avec un ventilateur où on sait que même si on y reste pendant 10 ans, on sait très bien qu'on finira par se dévoiler sur le jet. Sinon, si on veut que ce soit propre, il y a des toilettes payantes. Mais là, rien que par principe, je refuse d'y aller. Il y a différents types de toilettes, comme les toilettes japonaises, dont j'ai pas vraiment compris le principe, à part pour ceux qui aiment se faire sodomiser par un jet d'eau. Projet de haut, avec une puissance assez phénoménale, une fois mieux. Et il y a aussi les toilettes turques. Alors, quand t'es jeune, t'es naïf, tu les mets les pieds sur les marques. Puis quand t'apprends la vérité en grandissant, tu pisses du bord comme tout le monde. C'est dégueulasse. On n'a pas trop de faim pour notre vidéo. On peut dire que la chute tombe à l'eau.